Voyez, quand un enfant est handicapé, soit physiquement, soit même mentalement, l'enfant ne souffre pas. Les parents souffrent, n'est-ce pas? L'enfant est incapable, mais il ne souffre pas. L'avez-vous remarqué? Même un enfant mentalement handicapé, il ne souffre pas. À vrai dire, il souffre moins que beaucoup d'autres enfants. Les parents souffrent parce que leur enfant n'est pas comme l'enfant d'un autre. C'est le père ou la mère qui souffre parce que il ou elle connaît les conséquences pour cet enfant vivant dans la société. Il n'a pas certaines capacités, que va-t-il lui arriver demain? Ce sont ses préoccupations qui les font souffrir. N'est-ce pas? L'enfant ne souffre pas. L'enfant est incapable. C'est ce que handicapé veut dire. Handicapé, le mot lui-même le dit. Donc, un handicap est arrivé. Pourquoi? Un certain défaut de fabrication. C'est de ça que vous parlez, n'est-ce pas? Tout cela peut vous paraître très brutal, la façon dont je parle. C'est très brutal. Mais ce n'est pas moi qui ai créé cette brutalité. La vie est comme ça, n'est-ce pas? Oui? Votre créateur est brutal. Je ne fais qu'expliquer sa brutalité. J'apporte de la clarté à sa brutalité. Je n'ai pas créé cette brutalité, n'est-ce pas? Oui ou non? Quelqu'un naît avec un demi-cerveau. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Mais si vous dites que c'est l'œuvre du créateur, c'est la brutalité du créateur. Soit vous la voyez telle qu'elle est, et voyez ce qu'on peut en faire, ou vous ne la voyez pas. Aujourd'hui, on ne les appelle plus des enfants handicapés, on les appelle des enfants spéciaux. Ils sont spéciaux parce qu'ils ne sont pas comme les autres enfants, ils sont différents. C'est une bonne façon de voir les choses. Ce sont des enfants spéciaux. C'est juste que, comme vous comparez l'enfant à un autre enfant, vous pensez qu'il est handicapé. Autrement, c'est un enfant spécial. Supposez, vous savez, vous imprimez des billets de banque. Tous les billets de 100 roupies sont censés être pareils, à part le numéro. Mais un billet de 100 roupies est parti en vrille, comme ça. Savez-vous qu'un collectionneur paierait 1 million de roupies pour acheter ce billet de 100 roupies? C'est un billet spécial, un billet anormal. Tu ne peux rien acheter avec. Mais quand même, c'est un billet spécial. C'est exactement pareil. Un enfant, quelque chose ne s'est pas passé comme ça doit se passer normalement, ça s'est passé autrement. Vous n'avez pas à tout transformer en souffrance, c'est cela que je dis. Les gens qui ont des enfants normaux, qui ont tous leurs membres et tout en place, ne souffrent-ils pas? Comme l'enfant n'écoute pas ce que vous pensez qu'il doit faire, vous allez souffrir, n'est-ce pas? Donc votre souffrance n'a rien à voir avec le handicap, rien à voir avec le bien-être. Votre souffrance, c'est juste que s'il arrive quoi que ce soit, qui d'après ce que vous pensez ne devrait pas arriver, vous allez souffrir. Ou en d'autres termes, vous voulez que toute l'existence ait lieu comme vous pensez qu'elle devrait avoir lieu. Ce ne sera jamais le cas. Sous quelle forme ça vous arrive, peu importe. Ça vous arrive sous la forme d'un enfant handicapé, ça vous arrive sous la forme d'une affaire ruinée, ça vous arrive sous la forme d'une mort, d'une maladie. Comment ça arrive, peu importe. Mais votre exigence, c'est simplement cela. Que l'existence doit avoir lieu selon votre volonté. Elle n'aura pas lieu comme ça. Si toute l'existence a lieu comme vous le voulez, non, supposez qu'elle ait lieu comme vous voulez. Oui. L'existence tout entière a lieu comme vous voulez, Sima. Où vais-je aller? Elle doit avoir lieu comme je le veux aussi, n'est-ce pas? Donc certaines choses ont lieu à votre façon, certaines choses ont lieu à ma façon.